Bref, ce soir, j'ai pécho. Ça commençait bien, même très bien. Et là, ma libido m'a conseillé. Baise-la, baise-la, baise-la. Sauf que là. Attends, faut qu'on se protège. Je lui ai dit que j'avais une capote, elle m'a répondu. Je suis allergique au latex. J'ai regardé, elle m'a regardé, j'ai regardé, elle m'a regardé. Je me suis dit, merde. Alors j'ai pensé à le faire sans se protéger. Je me suis dit que ça le ferait pas. Du coup, j'ai pensé à l'abstinence et qu'on pouvait se débrouiller autrement. Mais là, elle m'a dit... Attends, je crois que j'ai un préservatif féminin. Elle cherche. Elle le trouve. Elle le met, je l'aide, bref, je lui fais la totale. Sauf que... Oups! Quoi? Ben, je crois que ça a craqué. J'ai paniqué, j'ai rêvé de fuir, disparaître, me cacher ou m'isoler sur une île. C'était peut-être pas une bonne idée. Je me suis vu père, j'ai pensé à assumer. En fait, non. J'ai voulu appeler ma mère. Bon, laisse tomber. Demain, j'irai chercher une pilule du lendemain. Tu viendras avec moi et on ira faire un traitement d'urgence contre le sida. On ira à l'hôpital ou au SIDAC, centre de SIDAction, pour le faire. Et dans 3 semaines, on ira faire le test pour le VIH pour être sûr qu'on n'a pas contracté de MST. Bref, le sida, ni pour elle, ni pour moi. Bye.